La vaisselle est sale, donc je vous laisse nettoyer de cuillère des trucs pour que vous ayez... Bah écoute, voilà, prenez ce que vous voulez là-dedans, là, pour ce matin. J'ai même du fromage de chèvre, si vous voulez. J'ai pas mal de pommes. J'ai des poires. Je vous fous ça là. Et à tout à l'heure. Et alors, on part à l'aventure ou... C'est possible, mais en fait... Hé, j'ai entendu parler. On part à l'aventure. Salut. Et je dois aller au café associatif qui est pas loin d'ici, vers 11h. Je repasse avant 11h. De toute façon, vous êtes là encore. Hein. Oui, oui. Si jamais vous avez besoin de sortir, à la limite, je vous laisse la clé, mais je vais repasser vite fait avant 11h. Et à la limite, à 11h, on peut aller ensemble du côté du café associatif et du côté du marché, si vous allez aller faire un tour. Et j'ai une copine, en fait, qui me dit, j'ai parlé un peu de vous, elle me dit, ah, tiens. J'aimerais bien les rencontrer et tout, donc pourquoi pas aller faire un tour par là-bas. Alors, si tu sais qu'on doit faire une bonne action tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire chez toi pendant que t'es pas là? Il faut qu'on fasse un truc. La vaisselle. Ouais, ok. Là, vous aurez de la vaisselle aussi pour vous. Ok. Parce que là, il n'y a plus une cuillère de frappe. Ouais. Et puis, bah voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça marche. Mais tu me laisses les clés comme ça de ton appart. Ouais. À deux inconnus qui voyagent. Ouais, voilà. Ben merci. Merci. T'as confiance? Allez, plus tard. Ciao. Ciao. Les bus, j'avais l'impression que c'était trop gros, en fait. C'est-à-dire que moi, Marc, t'es arrivé avec beaucoup d'exubérance aussi, hein, très vite. Comment ça va? Bien, et vous? Ouais, ça va. On fait un film de vacances. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait longtemps. Sur les autres et tout, et moi, je suis capable de le faire aussi, puisque je t'ai répondu aussi du tac au tac. Mais... Voilà, après je me suis dit, waouh, putain, ça va trop rapidement et je comprends pour autant que ça arrive parce que c'est déjà ta personnalité et c'est en plus de ce que vous avez vécu, de votre expérience de vie très forte là, dans ces 80 jours autour du monde. Effectivement, vous avez beaucoup plus de facilité maintenant à être en confiance et à aller vous ouvrir aux autres. Mais l'autre qui n'est pas forcément toujours ouvert peut justement se sentir presque agressé ou dans quelque chose de tellement inhabituel que ça peut être pas évident, tu vois, de l'appréhender. En fait, l'envie de venir avec vous parce que j'ai envie de partager aussi un moment de vie comme ça, en fait, de m'ouvrir à plus d'inconnus. Un bon savon de Marseille pour laver le caleçon. Ça, c'est la tâche quotidienne. Parce que j'ai décidé de voyager ultra léger. C'est-à-dire que j'ai deux caleçons, celui-là et celui que j'ai sur moi. Donc, tous les jours, normalement, je fais ça le soir. Mais hier, j'étais fatigué. Alors. Ah, et après, essorage. Très important. Plus on essore bien, et plus ça sèche vite. Donc, faut bien essorer son slip. Il est prêt pour l'aventure. Ouais. Donc entre midi et 2, c'est gratuit. Et là, on attend notre ami Nicolas parce qu'il travaille au bar. Et on va laisser la voiture ici. Et du coup, il faudrait une pièce parce que lui, il a dit on va partir vers midi et demi. Est-ce que c'est possible peut-être de mettre 50 centimes sur le parc-mètre porno? Non. Merci, madame. Merci. Besoin, c'est jusqu'à 2h30, je pense. On a besoin de 50 centimes pour avoir le ticket. Encore 30 minutes en plus. Vous avez 50 centimes? J'ai 50 centimes. Ouais? Oui. Wouh! Je peux filmer les mains? C'est les mains. And you speak good English. Thank you very much. You're welcome. Yes. Have a nice time. Thank you. Bye. Bye. Bonjour. Bonjour, comment ça va? En fait, on est en train de préparer l'itinéraire
parce que hier, on a pris des routes un peu au hasard et c'était pas vraiment très agréable. Il y a des nationales avec plein de voitures. C'était pas très beau. Après, on s'est perdu dans des petits villages, mais là, c'était super virageux. Donc, on a mis des heures à faire pas beaucoup de chemin, mais c'était sympa. Mais on va essayer d'organiser un petit peu mieux la route pour que ce soit plus agréable tout le long et voilà, optimiser, enfin, voir les belles routes de France, quoi. Et donc, on demande. Un coup à boire avec plaisir. Merci. On n'a pas de cappuccino, on a un café. T'as oublié ton porte-monnaie là? Bah ouais, ça fait partie du jeu. On est samedi, vous êtes parti quand? Donc mercredi ou jeudi quoi. Voilà, c'est parti. On va quitter Valence avec un nouvel ami. Wouhou! Comment ça va? Ça va bien. Comment tu te sens? On y va. Là du côté de Valence là, je me sens faire un grand. Il y a pas un village dans la Drôme, ils sont pas trop loin. Devant la porte et l'appartement d'une jeune femme que j'ai, avec qui j'ai voyagé en Inde il y a quelques mois. Et puis ben, le voyage en Inde a été un peu difficile, on ne l'a pas vécu de la même manière. Et il se trouve qu'on n'a plus de contact depuis. Donc renouer avec elle ou aller voir si elle est là déjà. Reprendre un contact, savoir comment elle va, peut être peut-être déjà une bonne action. Ouais, c'est déjà, ça peut être une bonne chose ça. Une carte postale? Ah oui. Putain, faut pas s'appuyer trop fort sur la carte. C'est quatre accords Toltec. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire ne cherche pas à dire du mal de toi ou des autres. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième accord Toltec, c'est « pas de supposition ». Et le quatrième accord Toltec, qui est « quoi qu'il arrive, faites de votre mieux ». Thank you.
Bon, on va déjà à l'abri. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Ah, bah oui, oui. Ouais. T'as déjà eu deux chevaux? Comment? Vous avez déjà eu deux chevaux? Ah non, pas du tout. C'est comment la vie ici? Comment? C'est comment la vie ici? Normal. Est-ce que vous n'avez pas un petit truc à manger si, pour nous? Regardez, déjà une tapenade. Une tapenade, magnifique. Un début. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est une beau. Tapenade maison, vous connaissez ça? Voilà. Tapenade, je connais, j'adore d'ailleurs. Ah ben, j'adore, c'est fait avec l'olive, c'est ça? Fabriqué ici, avec des olives, des câpres, des anchois, plein de bonnes choses comme ça. Ah ben, c'est super. Déjà, c'est un début. Ouais. Ah, merci beaucoup. Après pour, parce que c'est vous, vous pourrez aller au buffet et puis manger un morceau là. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci. Ah, c'est top. Pas de problème. J'habite pas ici même, mais j'habite à Bastogne. Ok. D'accord. Pas trop loin, quoi. Et on peut dormir chez vous? Ah non, on peut pas. J'ai un petit appartement de rien du tout. Pas de place, hein, franchement. Moi, j'ai un petit appartement de fonction qui fait 30 mètres carrés. Quoi. Ah, c'est... Wow. Ce n'est pas facile, ça, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que demander comme ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident, en fait. Et là, déjà, même donner n'est pas forcément évident, mais je me dis que je peux faire plus facilement donner, mais que demander. Hospitalité, quelque chose, l'impression de déranger, quoi, l'impression de facile. Et comment tu te sens, hein? Ça va, mais j'ai pas. Là, je suis en mode assistant. Là. C'est pas extraordinaire comme il est gentil, ce monsieur? Oui. Et celle-là, elle est rouge. Ah, ok. Non plus. Maintenant, toutes ces cartes. Ça n'a rien à voir. C'est à partir du moment où on vit ces expériences-là. Tu sais, moi j'ai eu dans ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont fait ce que j'ai fait pour vous. C'est normal que je répète. Une bonne action, on pourrait faire sur la route. Même deux jours, on avance, quelle bonne action. Cette idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce qu'on peut faire une bonne action tout le jour? Et après, d'expliquer cette partie de son argent. Donc, Strasbourg, rue de Bain. Et la première bonne action, c'était faire un court-métrage pour un couple qui est ensemble depuis 47 ans, en vélo. Deutsche Welle. Parfois, oui, France Musique. Mais... je vis sans ça. Et je vis sans politique, sans toutes les grandes choses. Moi, c'est mes asthmes avec. Je suis très heureux d'être ici, parce que Milan m'a beaucoup parlé. Et je suis heureuse de cette te maison. Voir finalement. Oui. Oui. Mais c'est papa. C'est mon fils, le père de Milan. 6 ans.
just go back in time. When you and I were uncomplicated. Let's go back in time. Before I felt what I felt when you did what you did then. J'ai l'impression d'être comme dans un rêve avec vous, voilà, où je suis sorti de ma vie habituelle. C'est très beau, en fait, de rencontrer les gens avec la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui ?» Et j'ai rencontré deux mecs super sympas qui cherchent où dormir. Je peux pas les prendre. Est-ce que ça t'intéresse ?